إلى هذه التغطية الخاصة والمباشرة للندوة التي سيعقدها بعد قليل سعيد سعدي الزعيم السابق لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في مقر جريدة ليبرتي. من المنتظر أن يتكلم فيها سعيد سعدي ويعطي تحليله الشخصي للأوضاع السياسية بالجزائر وأهم القضايا، وبالتأكيد سيتكلم عن رئاسية 2014. سعيد سعدي كان قد ترشح من قبل رئاسية 1995 وأيضا انتخابات 2004 قبل أن ينسحب من الحزب سنة 2013 ليعتزل العمل السياسي، وهذا يعتبر أول ندوة صحفية له وأول خرجة سياسية له بعد انسحابه من الحزب ليحل مكانه الرئيس الحالي للحزب محسن بالعباس. إذن مشاهدينا للتذكير فقط، يعتبر سعيد سعدي من أهم أو من أكثر المعارضين وأبرزهم للرئيس بوتفليقة وللنظام عامة، و كان قد شارك من قبل في مظاهرات انطلاقا من أحداث نيسان 1980 عندما خرج عشرات الآلاف من الطلبة من ولاية تيزي وزو لمناهضين للنظام ولأمنه العسكري، ووصولا إلى محاولة تصديره الربيع العربي للجزائر مؤخرا. إذن مشاهدينا نترككم تتابعون الكلمة ولا نعود. Monsieur le directeur, mesdames, messieurs les journalistes, chers amis invités, bienvenue dans ces moments de grande gravité et de réelle incertitude qui pèsent sur notre pays. Monsieur le directeur, j'apprécie d'autant plus donc votre invitation dans ce forum qui reste malheureusement un des derniers espaces de libre débat. Et c'est de tout cela dont je vais essayer de parler, parce que nous devons d'abord pouvoir parler pour mieux comprendre ce qui se passe dans notre pays. Le modérateur l'a rappelé, cela va faire bientôt maintenant 2 ans que je me suis déchargé de toute responsabilité politique, en essayant d'ailleurs de faire en sorte que cette décision soit aussi un acte pédagogique qui montre que dans nos contrées aussi, un parcours politique peut s'accomplir et se résoudre dans la sérénité et, si possible, de façon féconde. Je tenais aussi à démontrer qu'il y a de nouvelles générations qui ne sont pas toujours reconnues par les canons qui identifient et portent le personnel politique, qui ont de réelles capacités, de grandes compétences et une grande disponibilité pour leur pays. Je tenais vraiment à faire cela parce qu'on parle de transmission générationnelle sans toujours passer à l'acte, et la crise en cours est exemplaire de l'immense malentendu qui veut que c'est toujours dans la catégorie des auteurs de l'échec qu'on essaie de recruter les artisans de son dépassement. Donc depuis 2 ans je suis en retrait, mais je ne suis pas en retraite. Je me suis acquitté de mes tâches et devoirs de militant de base. J'ai écouté, j'ai lu, j'ai rencontré beaucoup de gens, dont Maître Ali Hayek, que je visite souvent avec grand plaisir, régulièrement, en tant que citoyen, c'est en tant que tel que je m'exprime aujourd'hui devant vous. Et je rassure ceux qui s'agrippent au pouvoir, ce rôle de citoyen n'est pas plus difficile ni moins intéressant que celui que confère la responsabilité de dirigeant. Dans cet intervalle, vous vous en rappelez, je me suis autorisé 2 interventions publiques. L'une m'a été demandée par l'Université d'été des jeunes du RCD, qui m'ont demandé de m'exprimer sur ce que l'on pouvait retenir de l'Algérie de novembre et de la Soumam. Preuve, s'il en est, que les jeunes sont à la recherche des repères, des fondements, des valeurs qui ont animé la mémoire nationale. La deuxième contribution, je l'ai faite et elle a paru dans votre journal Liberté, ici à la veille de la visite du Premier ministre français, parce que cette visite me semblait confirmer une relation qui asservissait les intérêts économiques, mais surtout symboliques de l'Algérie. J'ai accepté cette invitation avec plaisir et devoir, car, et je ne crois pas être le seul à le dire, l'Algérie est en péril. Mais ce qui m'a encore plus déterminé à apporter ma part de vérité à cette période, ce sont les termes
du débat, ou plus exactement la propagande actuelle qui est en train de tout parasiter au point de rendre illisible, pour reprendre les termes du modérateur, la scène algérienne. Quelquefois violemment polémique, ce qui ne contribue pas à clarifier la situation, une situation complexe, tendue et confuse, les interventions fréquemment, et c'est bien plus grave, sont délibérément biaisées. Ce qui fait qu'au lieu de participer à serrer les enjeux, dévoiler les positions de chacun et distinguer les causes des effets, et c'est essentiel, la logique reptilienne du système impose des paliers de discussion qui interdisent de sortir du champ clos des slogans fossilisés de la manipulation et de la soumission. Vous le savez tous, le cerveau reptilien, c'est connu, est incapable d'évolution. Il est programmé pour des fonctions primaires, il est animé par la satisfaction immédiate de besoins élémentaires et réagit par la violence contre tout ce qui peut contrarier la prédation ou inciter à une adaptation des conduites et comportements. Cette réduction de la pensée à l'instinct ne facilite pas la recherche d'un compromis extérieur aux luttes claniques qui puisse nous extraire d'un tunnel où celui qui détient l'interrupteur est précisément le maître des ténèbres. La chose est vraie en toutes circonstances et se vérifie encore plus chez nous aujourd'hui, où la confiscation et le conditionnement de la communication s'avèrent être les moteurs les plus puissants de la crise. Et nous n'avons plus aujourd'hui les moyens de jouer aux enfants gâtés du tiers-monde qui dilapident, vilipendent, polémique sans produire. Il est absolument vital de reprendre nos esprits, de refroidir la relation politique et d'ouvrir les yeux. Je ne suis pas venu ici pour rappeler les idées et les objectifs pour lesquels je me suis engagé en politique. Mon propos d'aujourd'hui est celui d'un citoyen inquiet, des invectives qui accompagnent une dérive dont on ne semble pas appréhender les origines et encore moins les funestes conséquences. Tout le monde convient que la situation est grave, voire compromise pour l'avenir de la nation. Pourtant, très rares sont les voix qui s'élèvent pour dire que cette malédiction ne tombe pas du ciel. Il nous incombe une impérieuse obligation de regarder avec courage, intelligence et lucidité la situation avant qu'il ne soit trop tard. Interdire ou fausser le débat loyal, que ce soit par calcul, que ce soit par peur, que ce soit par ignorance sur les causes de notre déchéance, équivaut à condamner l'Algérie à une désintégration inéluctable. Les exemples de la violence alimentée par les haines savamment entretenues sont sous nos yeux. L'embargo fait sur la tragédie du Mzab est significatif des analyses bornes qui brouillent les investigations qu'appellent les drames inhérents à une gestion violente où les pouvoirs parallèles supplantent toujours l'autorité formelle. Les fardages des réalités socio-économiques relayés par une mise sous tutelle de l'expression publique sont une des grandes menaces algériennes de l'heure. Beaucoup parlent de système, certains consentent même à le rejeter, sinon le renier. Pour autant, l'essentiel des acteurs politiques et sociaux s'interdisent d'envisager une issue à nos problèmes en dehors de ce cadre. Je peux parler sans. L'homme politique n'est sensible aux abus qui brident la vie publique. Voilà. L'homme politique n'est... Je crois qu'on va s'en passer en droit d'affaires, non? Voilà, limite. L'homme politique. L'homme politique n'est sensible aux abus qui brident la vie publique que si l'on est exclu, l'observateur en général. On défend les codes de communication tant que ses propres formulations ou intérêts sont épargnés. L'opérateur économique s'accommode très bien des travers du marché pour peu que des réseaux échappent aux rigueurs de la loi. Ah oui, je pense que celui-là est meilleur.
On va y arriver. Ah ben. نعم إذا المشاهدين تتابعون معنا بثا مباشرا من مقر يومية ليبرتي أين ينشط الدكتور سعيد سعدي كلمة ليعطي تحليله الشخصي حول الأوضاع السياسية الحالية في البلاد. تابعوا. L'observateur en général en défend les codes de communication tant que ses propres formulations intéressantes sont épargnées. L'opérateur économique s'accommode très bien des travers du marché pour peu que ses réseaux échappent aux rigueurs de la loi. Le président du club sportif est prêt à toutes les compromissions si ceci est intégré dans les compagnonnages hors compétition, etc. Le système algérien existe bel et bien. Il a sa logique, ses méthodes, ses objectifs, ses acteurs et ses bénéficiaires. Une tripartite vient de se dérouler avec un syndicat et un patronat candidat historique à la rente, excluant des organisations syndicales qui ont paralysé pendant un mois tout le système éducatif. Une loi non écrite, mais intangible, veut que tout intrus soit néantisé, quelle que soit sa représentation ou sa légitimité, s'il n'est pas reconnu par le logiciel systémique. Cela ne veut pas dire que le système ne connaît pas de turbulences internes, comme tous les ordres mafieux. Il peut y avoir des affrontements, voire des amputations occasionnelles, mais au dernier moment, l'instinct de survie archaïque, la fameuse conduite reptilienne, rivée aux besoins primaires, développe l'agressivité qui permet la survie de l'espèce. La vraie question est de savoir si ces mécanismes, ces archaïsmes, ces abus peuvent se reproduire longtemps. Cette logique de caste est redoutable, et c'est l'essentiel qui m'a amené à m'exprimer aujourd'hui, car elle peut s'imposer aux esprits les plus brillants. L'instinct d'appartenance à la secte transcende les compétences individuelles et inhibe toute capacité critique. Un propos entendu comme incohérent, farfelu ou pernicieux dans un environnement autonome est rationalisé, légitimé, voire sacralisé quand il émane du cadre systémique. On entend aujourd'hui une multitude de voix s'élever contre le quatrième mandat auquel postule l'actuel chef de l'État. Tous le trouvent humiliant, inadmissible et dangereux. Aucune de ces voix ne s'est élevée le jour où l'organe qui leur ordonne aujourd'hui de s'indigner de cette candidature avait fait violer la Constitution pour rendre possible ce que l'on enjoint, ce qu'on leur enjoint de décrier sans discernement actuellement. C'est le même centre du pouvoir qui a sommé les parlementaires de ne s'absenter sous aucun prétexte pour voter la levée de la limitation des mandats qui orchestre l'hystérie de la condamnation de la présidence à vie. J'ai le souvenir que seuls les parlementaires du RCD, salués, il est vrai, par de très rares observateurs, avaient voté contre ce qui, mécaniquement, menait à la situation présente. L'appel à un minimum de décence pour lire en âme et conscience une séquence politique dangereuse, bien évidemment à mes égards, en vue d'en sortir au moindre coup, reste aujourd'hui inaudible. Et quand des observateurs en arrivent à ce niveau, à ce degré d'aveuglement, c'est que les générations futures ont des soucis à se faire. Ces moments d'embrigadement des esprits sont les plus aléatoires dans l'histoire des peuples, car ils peuvent accoucher de toutes sortes d'avatars. Nous n'avons vraiment pas beaucoup de temps devant nous pour sauver ce qui peut encore l'être. Comme tous les citoyens, j'ai entendu celles et ceux qui se préparent à la prochaine échéance électorale. Tous les candidats exigent le rejet du quatrième mandat. Rares sont ceux qui assument la proposition d'une commission indépendante de surveillance des élections. Quelle différence ! Attachez vos ceintures, c'est iconoclaste, hein ? Quelle différence peut-on établir entre celui qui est en poste et qui dit « je ne céderai pas ma place » et celui qui affirme, je cite, « je serai candidat quelles que soient les conditions dans lesquelles se déroulera le scrutin ». Moi, je traduis, cela veut dire cette fois, j'ai moi aussi de bonnes raisons de croire que le bourrage des urnes me sera favorable. Comment croire aux promesses de changement revendiquées par tous quand on passe par perte et profit, la seule notion qui mérite d'être prise en considération, la légitimité du pouvoir.
Quelle différence peut-on établir entre un homme du système qui entend prolonger son bail en privatisant l'État et celui qui déclare qu'il ne concourra pas si le système présente son candidat? Je traduis en clair. Cela veut dire que ce qui se passe actuellement n'est pas intolérable parce qu'il y a déni de société, de citoyenneté. C'est intolérable parce qu'on n'en va pas désigner le parrain du système. Comment peut-on dénoncer un pouvoir sans contre-pouvoir et appeler dans le même souffle l'armée à intervenir pour reprendre sa place d'épicentre de l'État tout en se proposant d'arriver dans ses tourelles? Où sera le contre-pouvoir dans un pareil schéma? Si j'ai bien compris, lorsque c'est soi-même qui confisque le pouvoir, il n'y a pas besoin de contre-pouvoir. Une telle approche porte un nom, un putsch. De vertueux analystes, immergés dans la logique reptilienne, se sont contorsionnés pour subodorer et extraire des émanations rassurantes, voire même démocratiques, d'un acte par essence liberticide. La question n'est pas d'accabler les auteurs de ces pensées aveugles. Je crois que ce qui nous inquiète tous, dans la situation actuelle, et ce qui est plus grave, c'est que ces faillites conceptuelles trouvent écho chez des hommes par ailleurs capables de raison et même pour certains de fulgurance pour se transformer en exégètes de l'irrationnel et du malheur. Vous voyez qu'il n'y a pas que les gens du pouvoir qui sont athées, nous le sommes tous peu ou prou. Comment peut-on être crédible, condamner le bilan effectivement catastrophique d'un homme et passer sous silence le système? Et pour être encore plus précis, l'instance qu'il a rappelée, maintenue par une succession de fraudes électorales, et nous venons de l'évoquer, violer la Constitution pour lui permettre de continuer à sévir. Comment peut-on s'offusquer d'un constat d'insuffisance d'un service de renseignement futile, fait pour de mauvaises raisons, au motif qu'il y a critique d'une institution, je mets des grandes guillemets sur institution, car en l'occurrence, le DRS n'est pas une institution. C'est une structure qui dépend d'une institution. Comment déplorer la critique de ce qui n'est pas une institution et se livrer aussitôt à des attaques d'instances officielles qui, elles, sont des institutions? En quoi une institution devrait-elle par principe être indemne de critique? En la matière, la seule chose qui mériterait attention, c'est la nature des déficits pointés. Je ne crois pas avoir entendu quelqu'un contester la réalité de ces insuffisances. On nous répond, on ne débat pas par principe de service de sécurité. Est-ce bien logique, est-ce bien sage? Des professionnels de la désinformation, incapables de tenir le débat, s'emploient à semer la confusion entre armée, services de renseignement et police politique. Il n'est pas question de services spéciaux, mais d'un pouvoir parallèle qui a fait et défait depuis l'indépendance le régime algérien. Personne ne demande la divulgation de la liste des agents des antennes du DRS, mais tout citoyen est en droit et en devoir d'exiger que ce service soit sous contrôle d'un pouvoir légitime, qui ne décide plus des quotas à distribuer dans chaque élection, ne s'immisce pas dans les affaires des partis, ne soumette pas la presse, ne s'occupe pas de la composition du gouvernement et encore moins du choix du chef de l'État. On est loin de l'expertise d'une intelligence qu'on veut nous vendre, qui veillerait à la sécurité de la nation, lorsque ce pouvoir ne rend même pas compte à une tutelle. Il faut vraiment sonner l'alarme. Rarement les relais d'opinion, dont les rangs sont, il est vrai, décimés par l'exil, l'usure ou la clientélisation, n'ont été aussi puissamment encadrés. Oui, le débat actuel est biaisé, il est malsain, grégaire, inefficace et surtout dangereux, car il tétanise l'Algérie dans le tabou, ce marécage où ont proliféré les régressions mortifères qui ont enseveli tant et tant de peuples. Mettre de la lumière et de la raison dans la communication algérienne est une urgence absolue. Le patriotisme aujourd'hui, c'est de percer le brouillard de la déraison et du renoncement, matrice d'un asservissement fatal, antichambre de la déchéance nationale. Cette façon de se soumettre à une autorité uniquement parce que l'on craint, on la croit puissante et qu'elle est invisible et porteuse de grands périls, n'est pas
très saine en démocratie. Tout se passe comme si le citoyen était amené à une auto-persuasion qui fait de lui un coupable potentiel ou un client obligé. Chacun aurait quelque chose d'illégal, voire d'illégitime à demander, ou quelque chose de honteux à se faire pardonner. Il est captif d'un pouvoir invisible dont il dépend pour l'éternité et devant lequel il doit être heureux de pouvoir se prosterner. Que de fois n'a-t-on vu dans l'histoire des communautés émérites sombrer dans le chaos parce que le citoyen n'a pas usé de son libre arbitre pour peser sur son destin et que la conduite reptilienne l'a privé de voir clair, juste et loin. On entend dire ici et là dans des circuits parallèles que le moment est mal choisi pour entamer une démarche de rénovation, que le pays est fragile, etc., etc. A-t-on vu une fois, une seule fois, des dirigeants algériens issus du système initié par eux-mêmes une ouverture sans qu'ils y soient contraints et forcés? Je réponds non. Le printemps amazigh de 1980 avait été diabolisé. La tragédie d'octobre 88 a été manipulée. Au lieu d'ouvrir loyalement le champ politique, on a louvoyé et perverti les attentes. Rappelez-vous, 15 personnes dotées de 2 millions de dinars pouvaient créer un parti. Pollué par de telles manœuvres, le pluralisme était miné au départ. Le pouvoir avait alors beau jeu de gloser par la suite sur des hommes politiques incultes, cupides et irresponsables. Au lieu de subventionner les entreprises de presse en tant que structure impliquée dans le service public, on a octroyé 2 années de salaire aux journalistes qui se retrouvent à leur corps défendant, il faut le dire, des obligés du gouvernement. Le régime algérien n'a fait de concessions que sous pression et les avancées démocratiques qui se sont imposées par effraction. Octobre 88 nous enseigne que le système algérien ne peut pas et ne veut pas envisager une communauté de citoyens. Il est fait et vit avec une assemblée de clients. Depuis l'avortement tragique du retour à Boudiaf, les abandons des réformes de la justice, de l'école et de l'État annoncés au début des années 2000, le gâchis fait de l'embellie financière consécutive au renchérissement du baril sont venus invariablement attester de l'incapacité du système à se mettre au service de la nation et en phase avec le monde. La scénographie burlesque actuelle qui livre l'Algérie à la dérision universelle n'est que l'aboutissement d'une stratégie vouée à l'échec. Le passif est lourd, ne nous réjouissons pas trop, les conséquences de cet autisme sont terribles et d'une façon ou d'une autre, chacun de nous a sa part de responsabilité. Nous devons agir vite avec audace et responsabilité car c'est le statu quo qui provoque et entretient la déchéance algérienne. La fragilité du pays est réelle et s'aggrave de jour en jour. Elle vient de la censure, de la fermeture du pays et des esprits, de l'instrumentalisation de la justice, de l'opacité avec son colère, la corruption endémique, du népotisme, etc. Et dans le fracas des injonctions clientélistes actuelles, ceux qui refusent de rentrer dans le chantage à la stabilité s'entendent sentencieusement expliquer que dans tous les pays du monde, il y a des services de renseignement puissants. Il y a quelque temps de cela, j'avais eu à ferrailler sur ce sujet avec un des producteurs de ces amalgames qui avait été jusqu'à comparer les services de renseignement algériens avec ceux des États-Unis. Il avait oublié d'ajouter qu'aux États-Unis, le peuple algérien vote librement une fois tous les 4 ans et que c'est le président qui nomme le patron du renseignement et non l'inverse. Ça fait quand même une petite différence. Dernier argument que l'on instille pour soustraire au débat citoyen l'entre où se décide le destin du peuple algérien, les dossiers de corruption. Sur ce sujet aussi, nous ne devons pas céder à la facilité. Aucun pouvoir algérien n'a voulu lutter contre la corruption. Tous en ont profité personnellement ou collectivement. Tous en ont joué pour recruter et construire leur base sociale. Et quand il y a une sanction, c'est que le concerné est tenté de s'émanciper ou de changer de camp, mais jamais pour avoir attenté au patrimoine économique du pays. La corruption est un mode d'organisation politique et un levier d'ajustement et de régulation des intérêts interclaniques. Et ceux qui, probablement à juste titre, s'effraient des sommes détournées dans les hydrocarbures, l'autoroute Est-Ouest, l'agriculture, le médicament, le foncier ou les travaux publics, seront surpris de découvrir un jour une autre saignée, le coût financier du pouvoir occulte qui prélève, contraint et dérègle les circuits économiques par son omnipotence. Cet agrégat de castes dominant un marché sans règles ni visibilité qui grève le budget de l'État par ses recrutements pléthoriques
peu qualifié et parasitaire, est également un détournement de la ressource nationale qui n'a rien à envier aux commissions qui ponctuent la quasi-totalité des contrats. La corruption est au cœur du système algérien. J'ai pris ces quelques exemples au hasard de l'actualité des diatribes qui agitent la scène médiatique pour montrer comment on empêche l'Algérie de rentrer dans l'échange politique adulte qui permettrait, si l'on est encore temps, de voir comment sortir d'une ornière qui la condamne à disparaître de l'échiquier régional. La question n'est pas le quatrième ou le cinquième mandat. Le coup est bel et bien parti. Tout ce que l'on peut faire, tout ce que l'on doit faire, c'est de disqualifier cette supercherie pour en rapprocher le terme. Le bilan du chef de l'État ne peut être dissocié de celui du DRS. De toute façon, maintenant que les services spéciaux semblent s'être soumis au diktat du clan présidentiel, les cris d'orfraie vont cesser du jour au lendemain, malheureusement. Demeure la vraie question. Comment envisager la préélection? La seule question qui vaille d'être posée est simple. Quand et comment le citoyen algérien pourra-t-il voter librement sans prendre le risque d'un ticket sans tour? Il m'a été donné de le dire il y a quelques années de cela, je ne peux que me répéter. L'Algérie ne vit pas une crise politique, elle affronte une impasse historique. C'est différent, il y a une différence de nature et pas de degré entre les deux phénomènes. Le monde, la région et la nation ne peuvent pas s'accommoder d'un modèle qui a survécu un demi-siècle au détriment du pays. Les choix stratégiques retenus sont antinomiques du développement national. Nous avons effleuré les dommages occasionnés au pays, la stratégie de la tension que nous cultivons dans la région et que les segments sécuritaires de notre voisinage, également réfractaires au choix du peuple souverain, relais amplifie, précipitera notre chute. Nous le savons tous. Dans 2 à 3 ans, les recettes des hydrocarbures seront à peine suffisantes pour payer les pensions. Le statu quo, le pouvoir occulte, les fraudes électorales, la répression et la corruption ne sont plus de mise. Dans l'entourage immédiat ou dans des pays plus lointains comme l'Ukraine, le Venezuela ou la Thaïlande, qui n'ont pas su faire les adaptations nécessaires en temps voulu, les peuples se soulèvent. Et encore, là-bas, il y a des organisations qui parviennent peu ou prou à canaliser les fureurs populaires. Que se passera-t-il chez nous quand viendra le moment du débordement des énergies et des intelligences niées et des espoirs trahis? C'est le moment, et j'en aurai fini, pour moi d'avancer quelques pistes pour inviter à la réflexion. J'insiste beaucoup dans l'humilité et la responsabilité. Le système a stérilisé la nation. Fraude, censure, corruption et répression ont épuisé l'opposition. Le désert culturel et les lois liberticides ont étouffé la société civile. Quand à force de sacrifices et de dévouement, un parti réussit à casser un carcan et à conquérir un mandat, les officiers ne s'embarrassent pas de lois ou de scrupules. Les présidents d'APC de Berian et de Bni Abbas, je cite ces deux-là parce que je les connais, mais il y en a d'autres, qui ont à leur actif des bilans que leur enviraient des élus des pays démocratiques ont été illégalement démis pour avoir refusé de trahir leur parti. Prenant le relais de la partialité de l'administration, ces organes politico-médiatiques entendent sans vergogne l'ancien d'une opposition invisible. L'opposition, j'ai lu ça il n'y a pas très longtemps, l'opposition, combien de divisions a cru pouvoir ironiser un ancien cadre de l'armée que l'on croyait pourtant revenu de l'arrogance des sceaux à laquelle il a lui-même payé le prix fort. Accabler les victimes des censures et de la fraude au lieu de dénoncer les fléaux qui empêchent l'expression et l'activité de l'opposition, y a-t-il pire manière transitoire? Il y a lieu d'élaborer aussi un cahier des charges auquel doivent souscrire tous les compétiteurs. Aucune formation, aucun homme ne devra s'exonérer des règles qui s'imposent à tout acteur se réclamant de la démocratie. La légitimité est conférée par la seule volonté populaire. Aucun autre référent ne doit être avancé dans le champ politique pour prétendre à l'accès, l'exercice ou au contrôle du pouvoir. Le droit de la minorité, et c'est un principe universel de la démocratie, est imprescriptible, quelle que soit l'importance de la majorité au pouvoir. Pendant cette transition, une constitution sera élaborée par un consensus construit entre les différents acteurs de la classe politique et la société civile. Dans les pays où cette approche a été privilégiée, les débats ont été plus sereins et les résultats plus équilibrés. Mais en cas de nécessité,
Le recours à un référendum peut toujours être envisagé. Les élections législatives et présidentielles doivent couronner cette phase de remise en ordre de la maison Algérie. Il est temps de regarder haut et loin. Nous le devons, cher au pays, un chemin vers la lumière. Résultat, nous régressons qui est à toutes les avancées. Depuis la représente celui au monde de l'Algérie, ni les réalisations qui ont permis exceptionnelles, qui sont suffisantes, les défis qui nous. Le recyclage de la pensée peut encore fatigue, ne peut plus être un âge inconnu des gens qui se feront entendre dans la cohabitation ou dans la fureur. Débattons librement et loyalement dans le respect de toutes les opinions. Nous devons ce respect à notre peuple. Il est peut-être temps, je l'espère, de sauver l'Algérie. Je vous remercie. Là-dessus, c'est un désastre national. Mais si jamais aujourd'hui on dit, on empêche X de se présenter parce qu'il ne nous arrange pas, pensez à demain, cet abus, ce contournement, cette violation de la loi peut s'imposer à quelqu'un d'autre. Je crois qu'il ne faut pas poser le problème en ces termes. Il faut poser le problème en termes de garantie des conditions dans lesquelles doit se dérouler le vote. On va qu'il vienne avec son fauteuil roulant se présenter. Il n'y a pas de problème, moi ça ne me pose aucun problème. Mais qu'il verrouille le ministère de l'Intérieur, qu'il verrouille le ministère de la Justice, qu'il verrouille le Conseil constitutionnel, qu'il mobilise déjà les médias publics qui annoncent en boucle sa candidature, c'est ça qui pose problème. J'ai lu qu'il n'a pas été retiré ses formulaires de candidature, etc., etc. Ce n'est pas une obligation. J'ai été candidat deux fois à la présidentielle, j'ai mandaté, j'ai donné procuration pour que les gens retirent le formulaire. Donc, il a commis suffisamment de dégâts, suffisamment de catastrophes qui malheureusement vont laisser des séquelles et des cicatrices durables dans le pays pour ne pas attaquer par des angles indéfendables sur le plan de l'éthique et de la règle politique. Donc, voilà, je sais très bien qu'il a tellement exaspéré tout le monde. On peut attaquer politiquement cet homme. 15 ans, il ne s'est pas adressé à un média algérien. À l'inverse, la dernière feuille de chou étrangère, il est capable de mobiliser toute la logistique de la présidence pour avoir droit à deux lignes dans un journal régional français ou luxembourgeois ou bien mongolien. Bien sûr que c'est choquant. Ne pas s'adresser au peuple algérien dont on sollicite les suffrages jusqu'à présent. Il ne s'est pas adressé au peuple algérien. Mais c'est une attaque politique. Mais je ne vois pas, à partir du moment où la Constitution lève la limitation du mandat, pourquoi et comment on devra dire X n'a pas le droit de se présenter. Ce qui me choque, je vous le dis franchement, ce sont les autres candidats qui s'engagent dans des règles à l'évidence biaisée et qui continuent à maintenir leur candidature. Ce qu'on peut faire, c'est disqualifier politiquement cette élection pour raccourcir les dégâts que va commettre cet autre mandat et éventuellement ouvrir une parenthèse, la première depuis l'indépendance, pour que l'on sache un peu comment faire de manière consensuelle, parce que chacun devra faire un effort pour essayer de sauver le pays d'une explosion annoncée. إذا مشاهدينا الدكتور سعيد سعدي رد على أحد الصحفيين وقال أن المشكل ليس في ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة كون القانون والدستور يسمح له بذلك ولا المشكل في من سحب الاستمارة إن كان بوتفليقة أو شخص آخر بالوكالة إنما المشكل حسبه يعود إلى هل كيف ستكون الانتخابات نزيهة ويجب الحرص على أن تكون هذه الانتخابات نزيهة وعلى ضرورة التداول السلمي على السلطة لنتابع مشاهدينا أسئلة الصحفيين فيما يخص المشكل اللي وقع بين المخابرات والرئاسيات والرئاسة احنا عندنا نظرة عامة هذا المشكل ما يهمش الشعب الجزائري مشكل وقع
في إطار نفس النظام. ما عندهمش مشاكل سياسية، ما عندهمش مشاكل فيما يخص المبادئ ولا الديمقراطية. متفاهمين على التزوير، متفاهمين على العنف، متفاهمين على كل التسيير المخفي في المؤسسات. إذن ما ندخلوش في الفخة هذه. قال كاين طرف في النظام لي يعمل من أجل الشفافية والديمقراطية، وكاين طرف آخر لي راه يعمل من أجل الديمقراطية. شكون جاب هذا الرئيس هذا؟ شكون جاب؟ كان غايب 20 سنة، أنا ما بكيتش عليه، جبت شي بامور شجرة يعني نهارنا ما كانش أنا ما با بيشي ديال. Il faut quand même pas oublier que la mémoire c'est l'avenir des peuples. Il ne faut pas oublier comment se construisent les problèmes. Même ça aussi qui fait جابوا كيفاش عمروا له الصنادق 2004 2009، كيفاش كسروا الدستور باش ندخلوا في الرئاسه الدائمه هذه. اذن هذه فخه. فيما يخص انسحاب المترشحين، هذا الشيء يهم كل الاشخاص. انا ما لحد الان بكل صراحه ما فهمتش كيفاش يجي الرئيس ولا مسؤول آخر يقول لك نقدم نفسي للانتخابات، وين هو في باله باللي الداخلية مربوطة، العدالة مربوطة، والمجلس الدستوري كيف كيف. ربما عندهم كاش علاقات مع الناس اللي موالفين يعطيوا لي كوطا هذوما، ولا مهابل الناس هذو. Je ne vois pas comment on peut aller dans une élection dans ces conditions. Ça n'a pas de sens. فيما يخص المعارضة بصفة عامة، دور تاع المعارضة في هذه الحملة، قادرين نجندوا ولو منعوا المعارضة من النشاطات. هذا ثاني دليل باللي هذه الانتخابات ماهيش نزيهة. علاش تمنع مواطن ولا حزب سياسي ولا نقابة يعطي رأيه في الانتخابات، في الحملة الانتخابية؟ علاش؟ لي ما ركعش قدامك موش جزائري وتقول لي باللي راك تخدم على جد مستقل البلاد؟ مستحيل. هذه المعارضة سواء الأحزاب السياسية ولا نقابة ولا الجمعيات لازم تليم وتعطي رأيها. مي il faut une attaque politique. Je ne vois pas comment on peut dire qu'un homme algérien ne peut pas se présenter, sauf si quelques-uns de mes confrères, j'espère qu'il y en aura quelques-uns, disent qu'il n'a pas les capacités physiques pour se présenter. Ça, effectivement, c'est prévu par la loi. Mais je crains qu'on trouve encore quelqu'un qui va nous dire qu'il a un AVC, comment vous l'appelez ? Sans séquelles. On avait ces sans séquelles et qu'on va le présenter aux Jeux Olympiques. نعم، إذن مشاهدينا، سعيد سعدي قلل من أهمية الصراع المزعوم بين أجنحة السلطة واستغرب كيف لهذا الصراع أن يهم الشعب وهو يحدث في إطار أو داخل النظام بحده. تكلم أيضا عن المعارضة والذي دعاهم إلى التجمع وضرورة إعطاء رأي بالرغم من منع الحكومة لأي تجمعات للأحزاب التي قررت المعارضة. تابعوا مشاهدينا. Pour disqualifier politiquement ce scrutin. On le laisse se présenter seul et il faut qu'on fasse campagne pour une abstention massive. Il va décider d'être le président de lui-même. Et croyez-moi, dans le contexte politique, social, national, et dans l'environnement qui prévaut à nos frontières ou dans le monde, il sera extrêmement difficile de jouer ce qui a été joué en 99. Est-ce que la situation est comparable à celle qui a prévalu en 92? Mon intime conviction est que non. Pourquoi? En 92, nous étions dans une situation de tension sociale maximale qui s'est
subitement politisée et sur laquelle le fils avait embrayé. Contrairement à tout ce qui a été dit, moi ça ne m'a gêné, ça ne m'a absolument pas gêné que le fils ait gagné l'élection. Vous êtes journaliste, je vous envoie à ma déclaration le jour de la première estimation des résultats, avant même les résultats définitifs. Hein. C'est une déclaration publique, c'est le journal de 20h de la chaîne 3. Donc c'est quelque chose que vous pouvez vérifier. Je cite de mémoire, je me rappelle avoir dit, si ces résultats se confirment et que la volonté populaire venait à être effectivement ce qu'annoncent ces estimations, moi, je me soumets à cette décision. Chaîne 3, le soir de l'annonce des premières estimations. C'est un discours public, ce n'est pas une confidence. Mais lorsque 48 heures après, j'entends que ceux qui ne sont pas d'accord doivent prendre le bateau, ou les ceux qui ne soumettent pas Kdaoulik, il y a quand même malentendu. Je ne suis pas sûr maintenant que le courant islamiste aujourd'hui soit dans les mêmes dispositions, pour diverses raisons. Eux aussi ont évolué, il ne faut pas qu'on soit trop sectaire. Il me semble qu'il y a une adaptation à comprendre que lorsque l'on a gagné une fois une élection, ça ne vous donne pas le droit de disposer définitivement du peuple et de la nation. Si on a effectivement franchi, pour diverses raisons et après avoir payé malheureusement trop cher, ce palier, il est impératif non seulement de créer les conditions d'un débat, y compris avec le courant islamiste, mais il faut absolument permettre la compétition de tous les acteurs qui respecteraient véritablement ce cahier des charges. Tu peux gagner une élection, mais ça ne te transforme pas en maître absolu du pays et des hommes. La minorité a tous ses droits, même si tu as gagné une élection. Et pour une fois, que dans ce pays pour lequel le peuple s'est sacrifié, pour lequel des Ben, des Ben Mhidi, des Ben Bouraïd, des Krim, des Amérouche, des Lotfi sont morts, ne soient plus soumis à l'humiliation qu'on est en train de vivre aujourd'hui, il y ait des compétitions où chacun avance avec son programme, avec ses visions, et que s'il y a une coalition gouvernementale, qu'elle se construise sur la base de discussions entre les partis. Il y a des pays où un parti n'a pas la majorité, il compose avec d'autres partis. Il te fait un mot. Il n'y a pas de mal, mais que ce soit sur la base d'un débat de programme. Nous avons aujourd'hui 3 partis politiques qui sont au pouvoir depuis toujours. Est-ce que vous savez qu'ils ne se sont jamais réunis pour voir autour de quoi ils sont d'accord? Moi, je les ai vus à l'Assemblée. Je les ai vus à l'Assemblée. Ça sera comme du kif-kif. On va aller au gouvernement, on va aller voir. Là, on va aller au gouvernement. Alors, quand vous insistez un peu, il dit qu'on va faire le programme de la Raïs de Jumhouria. Est-ce que vous savez que ce programme n'existe pas, Yarb al-Alamin? Il n'existe pas. Je vous invite à aller sur le site de la présidence de la République. Il n'y a pas. Rahoum, il ne fait tout le faire. Donc il faut sortir de ces humiliations, il faut sortir de ces bricolages, il faut sortir de ces manipulations. Mais ça, je suis désolé, je ne veux pas qu'on rentre encore une fois dans... Je n'aime pas les meutes. C'est toujours dangereux. Ce n'est pas la faute d'un individu. Lorsque un pouvoir invisible décide de tout et ne répond de rien, il ne faut pas s'étonner qu'un petit dandy vienne confisquer l'Algérie et prétende se poser comme vice-roi du pays. Donc, je ne veux pas rentrer dans des attaques personnelles. Je m'en tiens au comportement, au discours et éventuellement aux propositions des uns et des autres. Faites attention à cette manière qui consiste à orienter la haine, qui n'est jamais bon conseiller en politique, sur une personne. Pour autant, il faudra que Bouteflika nous réponde un jour de son bilan. Parce que
tribaliser un pays comme l'Algérie, je vous garantis que ça va laisser des traces. Ça va laisser des traces. Très les hasards. Donc je ne suis pas là pour le blanchir, mais je dis simplement qu'en tant que citoyen, dans cette phase particulièrement critique et délicate, nous devons redresser la tête, regarder, être froid, sans complaisance, mais ne pas être manipulé. إذن مشاهدينا كانت هذه أجوبة الزعيم السابق لحزب التجمع من أجل الثقافة. سعيد سعدي وليد حركي، en publiant un faux sur lequel vous aurez à répondre à la justice, je ne veux pas rentrer dans un problème de communication. J'ai d'abord un problème moral et je crois à la morale en politique comme dans le journalisme. Voilà. La dignité avant la liberté d'expression. Pour la petite histoire, La dignité d'abord. Pour la petite histoire, ça va se traiter devant les tribunaux le 4 au tribunal du CND. Si vous voulez venir, vous saurez exactement ce qui se passe. Pour le reste, si quelqu'un, pour vous prouver que ce n'est pas la question qui me gêne. Hein. Si quelqu'un repose la même question, je vais répondre. Voilà. Allez-y, mademoiselle, allez-y. C'est bon, il y a une demoiselle qui pose la question. إذن مشاهدينا كما تتابعون رفض سعيد سعدي الرد على أسئلة صحفي تلفزيون النهار وأيضا قنوات أخرى. طبعا رد سبب ذلك إلى كما سماه وما وصفه بتهجم القناة عليه. إذن مشاهدينا تتابعون الآن مجريات الندوة الصحفية التي رفض فيها سعيد سعدي الرد على أسئلة بعض الصحفيين. نتابع. منعونا من التلفازة، ممنوع ندور مسيرات ولو مسيرات سلمية في الشارع، ما نقدروش نروحوا القاعات باش نديروا تجمعات في البلاد. وتقول لي أنا يا علاش ما راكمش تبانوا؟ تعرفي كان يا بتي بروفيرب زمان، واحد عفس على واحد آخر قالوا اسمح لي درت رجلي تحت تاعك اكسكوزي مو دافوار مي مون بيي سو الفوتر. راكي صحفي يا بنتي، علاش ماناش باينين؟ علاش؟ شكون ساكن 24 ساعة في النهار تلفازة؟ ما كاش بلاصة باش ندخلوا التلفازة هذه. انت يا بدات راكي تقول لي باللي ضربوا الناس اللي خرجوا باش يديروا مظاهرة في الجزائر وقيلا امس حنا رانا انا ما باللي الوطن لاول القوة السياسية هذه ساب الإرادة. السؤال الاول تاعك ماناش داخلين، ما يلزمش ندخلوا في النضال ولا في الصراع بين الزبائنيات. ما كاش خلاف بين الدي ار اس وبوتفليقه، سي با فري. هذا يساعد، هذا عندهم مشاكل فيما يخص لا رونت، هذا دا بزاف، هذا ما داش بزاف الى اخره. سي لي ميم باش كل الاسئله تاعك
الحل تاعو ماهوش في وسط النظام، لازم تغيير النظام هذا، وهذا النظام ما يتغيرش وحده. شحال من فروس جاو وفسدوهم، هضرت عليها في التدخل تاعي. 88 سر دم في الجزائر العاصمه. Il y avait une occasion énorme pour faire une ouverture. باش تكون تعدديه حقيقه. واش داروا؟ خذوا الصندوق الدوله. المعارضه كانت في النظام السري غير كما خرجت، il y avait 4-5 بارتي بوليتيك في هذاك الوقت. واش داروا؟ خذوا قرار قال 15 من الناس هاهم يديو 220 ولا 230 مليون في هذاك الوقت، قادرين يشكلوا حزب سياسي اون سي روتروفي افيك 78 ولا 79 سي سادير فسدوا التعدديه هذه من النهار الاول. جابوا ضياف الله يرحمه، انت يا صغيره انا شفت شحال من مره ناض امال، مهما كانت المشاكل مهما كانت السيطره اللي سبقت بالما يجي، ناض امال في الشعب الجزائري على بالك واش وقع مع بوديف. في 99 انا هضرت مع بوتفليقة، قلت له حبيت نعاونك، حبيت نبنيو البلاد هذه، مرحبا ما عنديش ثقه فيك، لازم تهضر امام الشعب الجزائري وتقول باللي كل الملفات تاع التربيه الوطنيه العداله تغيير الحكومه الى اخره لازم يتغيروا رسميا. الى في دي كوميسيون على بالكم، كوميسيون دو لا جوستيس، كوميسيون دو لا ريفورم ليدوكاسيون الى اخره اخره. من هذاك النهار فرصه اخرى راحت 2004 ولا 2005 لو باريل اكسبلوزي، الباريل البترول. واش داروا بالفلوس هذا؟ سيت اون اوكازيون انورم. كل مره تجي فرصه باش الشعب الجزائري هذا يروح امام السعدو يفسدوا الفروس. دونك لو ريجيم نو بو با ايتر لا سوليسيون، سي لو بروبليم. فوالا لارتيكل 88 88 لو كان نظام آخر، المجلس الدستوري من حقه واجب عليه ينفذ هذه المادة، واجب عليه. كاش ما سمعت انت يا الدارس هذا انطق بور دير لو بريزيدون ايت اليكستيريور لو سو دو لا ريبوبليك الجزائريه اي سورتي دون ان اوبيتال ميليتير دو لونسيان بويسونس كولونيال، سي انتي كونستيتيسيونيل. هذا الشيء باش تفهمي باللي ماك مع الهمش مشاكل اساسيه بيناتهم. دونك يا با دو بروبليم. علاش ما نفذوش هذه الماده؟ شكون كان الرئيس مجلس الدستوري اللي راه اليوم في الداخليه؟ ايه صحيت، اللي راه اليوم في الداخليه اللي يروح ينظم لنا الانتخابات نزيهه. Le Conseil constitutionnel devait s'auto-saisir. Il était obligé de s'auto-saisir. Chili Hemniana. Maouch, Washraoumi Diru, Washraoumi Kouloune, ça n'a rien à voir. Chili Hemni, Sorat al-Jazair Flakharaj. Je discute avec des ambassadeurs. Je n'ai pas envie de vous casser le moral à Kisrera. L'image de l'Algérie est cassée pour des générations. كسروا الشرف تاع البلاد، كسروا النيف تاع البلاد، خربوا المستقبل تاع البلاد. كومون فولي فو؟ يعني كاين صحفيين انا يخدموا هما يفون دي فيش على الغوفرمون اكسيتيرا، كل مره يديروا كارثه تمتم تلحق عند المسؤولين تاعهم. دونك اون ان بروبليم دو سيستيم، عندنا مشكل نظام، اون با ان بروبليم دو كلان، فسي با لو بروبليم، عندنا دو بروبليم دو كلان، مي سي با البروبليم، المشكل الاساسي هو مشكل النظام. مرد في موزه يا اخي اشتركك
إذن مشاهدينا كما تتابعون أجوبة الدكتور سعيد سعدي على أسئلة الصحفيين، وأكد في رده حول عدم ترشحه لهذه الرئاسية، أكد أن ذلك راجع للتضييق الذي تمارسه السلطة على المعارضة، وأيضا تكلم عن جدد التكلم عن الصراع المزعوم بين أجنحة السلطة، وأكد أنه غير موجود. تابعوا مشاهدينا أسئلة للصحفيين آخرين ولا نعود. ماشي اللي كيتقارن هاي اللي انت ديك روحك، ولكن يومين السوري والقار يدخلوا على خير الحمد لله والله بخير على خير نوثني ورثه قال في الاسد لي دو شو سون فري يا بنت الناس يا بنت الناس يا اخي امي دراس خويا ثم بعد جيت راديو امي دراس قبيلي ثم زوارو ثلاث قرضه شو تخدم من 2008 باش تهديره دستوراجي اي اي صحيح اي الاسم مدن وجنا رد نفين جنا 20 مدانا في هذه لاسومبلي 20 نير يدينا الا ما سنيد نكوني اين انا نخدم نكوني نخدم ميت روح زر لا كاسيت مازال يتسند لنا الى السينا الى لاسومبلي ناسيونال ديالنا جمعنا غير بنغد ويحيى كيقار ركزاكين يرسد كهنين الى قنكس الارتيكل هادي باش هادي في سيكرت النظام نكون الناس لا انا نخدم نكون نخدميت لازم مرضى ديال النظام اي غير 20 كيني ونجر ماشي 40 وناس تقسي ودي صاحبي مير نوسن ديال قوي تقسي غير كيني ومن بعد تقارنوا ثني لاباس بهم نوني لاباس بهم ولا ورد سكوات ما الا في الناس اللي كيميو الحال استغفر الله لا ثورا اي دينيض هاد قرض ثمور ثروين عثور ما دين كان سيدي قارنا ويدو كان كوكا دغثر ويستيد بون لا 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 كيستيون سيتي لا سويفونت ان 2008 il y a eu la révision de la constitution qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher cette révision de la constitution qui conduise au à la présidence à vie ben, moi j'ai dit qu'on était à l'assemblée à l'époque ben, les parlementaires du RCD c'était les seuls qui ont voté contre la levée de la limitation des mandats. C'était les seuls. Maintenant, on ne va pas nous accuser pour qu'on était 20 et pas 200. Ça, il faut voir les gens qui bourrent les urnes. Vous aurez peut-être la leçon. Alors, et puis il dit, vous dites que le pays est parti en Java. Eux, ils disent que l'Algérie va très bien. J'ai dit, eux vont très bien et nous, on va très mal. Les deux ont raison. Voilà. Oui. Bon, les questions qui ont été posées, c'est un, on revient toujours à l'éternel problème, comment vous expliquer. Je traduis les questions, bah, qui n'aura pas تيقول يستطاف دار هذيك السنة تيكين عسكر عندها النظام دونك je traduis les questions. La première c'est qu'est-ce que ça veut dire le conflit qu'il y a entre le DRS et la présidence et comment interpréter la sortie d'Ammar Saïdani sur les insuffisances des DRS et l'interview qu'a faite le général à la retraite Hossein Ben Hadid. La deuxième question, est-ce que réellement devant un tel blocage il peut y avoir un changement dans le pays par voie pacifique? Et la troisième, comment peut-on envisager l'Algérie après les élections du 17 avril? أشويز مرن أد ديانو ثمورث في السنة شو دينا عمر سعيداني كنت سين غارة يدينا غار جزاني كل هاري العمري ويدوني ثي وإثم للا ولكن أشو دينا ذات زايرين يسعى الحق في ديني
يهضر داش بوديف يهضر داش تبحيرين يهضر داش تبن جنتورين اي غرا كثوره ودنا هضر راه في تمثالي كاع انا الشغل نتموت ستيت نهار الكذب ولا ذا النظام مثلي غلاشاس قارنو الى قرار هضر هذا في مذناكي راه ولا شي مدبر ودنت بالدياله زاف الغاشين يوكن اديني اشو يخدم ما يلها ما يخص ما يغلط اين يدينا الجنرال بن حديد ما سي سكيم جين سي با تيرمون سكيل ديسك سك دي لو جنرال بن حديد سي سي ان سيتويان مي جو كرو كيل فو كون اون فينيس الى ادن فاتورا مثلا العسكري ولا قاتل العسكري ولا القانون العسكر ما تخدم على حساب باكن الا القانون بان تخدم ما الى فاضي العسكر تي ذا جزائري ام كيتش امير ومن بعد ميرني اني ديني هيوان زوجيم ذا كيف ظني شيس أم كارثي لي الجزائر من بعد الفوت ما إلا نجا أسيف أذي روح البحر أدنا في منا ذي البحر ماذا قلا نفدد إيواك ندنيني أنشتاقي البوطاقي ورغي ساعة ذارة أما ذا قوذي في ديه قانا ماذا ويني دي فدنا ماذا ويذ إثي عاوني وكذي وضار ذا قيم نزمر أثنس فشل ما يفشل نزمر يميرني أدنو غال أنا عود الجريعة كلي ذني غزيكني ذا المحالة تيلي في فراث هو الزوار طيد دي ثواغي تيش بنثاقي دونك جي ريبوندي بور سكي رابيدمان دي تروا كيستيون سور سكا بي دير عمر سعيد داني سكا بي دير الجنرال بن حديد ما جو سي بور ليبرتي ديكسبرسيون توتال سكا دي عمر سعيد داني جو لي جامي في دو ما في كلي شو سوا كلير مي إلا لو دروا même si je ne suis pas dupe, même si je ne suis pas dupe, de demander le bilan d'un service de sécurité de son pays. Maintenant, est-ce qu'il a dit vrai, est-ce qu'il a dit faux? On peut discuter de ça. Mais j'ai constaté que personne n'a voulu aborder les thématiques sur lesquelles il a interpellé les responsables du DRS. Et, ce qui m'a encore plus choqué pour tout vous dire, c'est qu'une partie des observateurs ont dit ce régime, cette institution, ce n'est pas une institution, c'est un service dépendant d'une institution, ne doit pas être interpellé. Aucune institution ne peut faire l'économie d'une interpellation des citoyens. Bon, voilà. Maintenant, ce qu'a dit le général Ben Hadid, c'est pas tellement le contenu qui pose problème. Ou bien on est militaire en activité, à ce moment-là, on réagit dans le cadre des lois et règlements qui régissent l'armée algérienne. Ça ne veut pas dire que je suis pour, mais il faut éviter de se donner, de se fabriquer des lois, sinon ça va nous mener à des catastrophes. On est dans une période de tension, on est dans une période d'incertitude, les maladresses peuvent déboucher sur des catastrophes que nous ne maîtrisons pas. On n'a pas à dire, je suis général à la retraite et je parle au nom de mes camarades de combat. C'est quoi ça? Ça veut dire que c'est une armée clandestine qui délègue quelqu'un qui est à la retraite pour parler. Où va-t-on? Où va-t-on? Ou bien on est militaire et on fonctionne dans le cadre des règlements qui régissent l'institution à laquelle on appartient, ou bien on est citoyen, à ce moment-là, tu parles comme tous les citoyens. Je suis sorti, vous savez pourquoi? Je ne voulais pas sortir. Je suis sorti parce que le débat est empoisonné. Et dans les périodes critiques, les débats brouillés, les débats manipulés, ont toujours été dans l'histoire des peuples les sources des plus grands malheurs. Donc il faut que chaque citoyen puisse, en âme et conscience, exiger que l'expression publique soit claire. Mais on ne nous dit pas, non, on ne parle pas d'une institution. Et je reviens encore là-dessus. On nous dit, tous les services secrets du monde sont secrets. Mais on n'a pas demandé la liste des agents du DRS. On est en train de dire que maintenant, un pouvoir occulte, c'est-à-dire une police politique, on voit le bilan. Oui, pour un service de renseignement puissant, fort, performant, qui s'occupe du contre-espionnage, de protéger le patrimoine économique et qui combatte le crime économique. J'ai bien compris ce qu'il a voulu dire. Voilà, je n'ai pas très bien compris. D'un côté, il déplore, et je suis d'accord, un pouvoir sans contre-pouvoir. C'est normal. Mais de notre côté, il appelle l'armée à reprendre l'essentiel du pouvoir, sous-entendu, et qu'il l'installe. Et où est le contre-pouvoir dans ce cas-là? Donc il y a quelque chose d'incohérent dans la démarche. Mais moi, je respecte, il a le droit de parler.
Il a le droit de parler, ce n'est pas ma conception de faire de la politique, ce n'est pas les mêmes objectifs, mais il faut que tout le monde s'exprime. Voilà. Je crois que j'ai répondu. J'ai déjà répondu. Les ambassades sont en train de faire des notes catastrophes. Vous répondez qu'aux journalistes à une conférence de presse ou à un forum. Le peuple veut parler. On vous donnera la parole. Si c'est ça qui vous gêne. Non, pas du tout. Ça ne me gêne pas. Donc vous aurez la parole. Je peux lui donner la parole. Voilà. Monsieur. Oh non, le monsieur qui est devant vous. Là, le machine d'accueil. Aïe, le hache, fondre. Merci beaucoup. Oui, certain, s'il vous plaît, question. Alors, le quatrième mandat, constitutionnellement acceptable. Le candidat, que pensez-vous du candidat à ce quatrième mandat? Est-ce que le jeu est véritablement fermé? Et là, je rapporte toujours le tab général. Deuxième petite question, le retour de Maître Ali Benflis, est-ce qu'il vous a convaincu? Et le je dirais entre guillemets, le rétenteur Hamarouche, qui intervient après une escapade, je dirais, d'une vingtaine d'années, compris, est-ce que Marouche Talaouk, finalement, entre trois têtes pour l'après-17 avril. Le docteur Saïd Saadi, qui n'est pas arrêté, Marouche Nhayel, ou Marouche Taqaoud, à laquelle on vient de Nhayel, elle, Mabkash Andou, Amel, سياسي بدور عام سياسي ليكون مليح للبلاد يعني ماتيل بلو لامبيسيون ناسيونال بوليتيك ميرسي يعطيك الصحه بارك الله فيك ميرسي هذو هما لي تخوا كيستيون ميرسي بوكو. C'est un programme. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer de répondre un peu, de manière un peu succincte. Je vais essayer de répondre de manière un peu succincte. Bon, vous avez posé la question du quatrième mandat. Si vous voulez que je vous dise encore une fois ce que je pense du mandat de Bouteflika, du règne Bouteflika, je suis d'accord avec vous. Le problème n'est pas là. Moi, je suis obligé, chacun sa conviction, chacun ses principes, de ne pas céder à la meute, de ne pas suivre la meute. Rien, en dehors d'un avis médical contraire, n'interdit à Abdelaziz Bouteflika de se présenter. Je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, on va accabler quelqu'un qui ne nous arrange pas. Demain encore, c'est peut-être celui qui peut sauver l'Algérie qui sera empêché de se présenter. Ne sombrons pas dans les haines, dans les conjonctures, dans les solutions de facilité. Maintenant, si vous me dites politiquement, est-ce que le jeu est fermé? Il est bloqué, monsieur, il est fermé. Il est congelé, le jeu politique. Alors vous me dites, lui-même a dit Tab Jinalo. Alors si je dois vous faire maintenant le listing des contradictions d'Abdelaziz Bouteflika, il faudra qu'on prenne des casse-croûtes et beaucoup de café. Il a renversé Ben Bella, il lui a fait un deuil national, etc., etc., à chaque fois qu'il a dit. Il a dit, la presse doit jouer, il y a quelques jours ça, la presse doit jouer son rôle avec beaucoup de professionnalisme. Redomindek, il décide que la télévision doit passer en boucle. Bref, on ne va pas rentrer là-dedans quand même, c'est pas ce qu'il dit qui est important. C'est ce qu'on l'a laissé faire. Malheureusement, on est obligé, pour nos enfants, pour la dignité du pays, pour la stabilité de la nation, de respecter les règles du jeu. Moi, je vais vous dire, cette constitution ne m'arrange pas. La plupart des lois ne m'arrangent pas, mais il ne faut pas sortir des règles établies jusqu'à ce qu'elles soient changées, sinon on ne va pas en sortir. L'Algérie est sur un volcan. Alors, les deux personnages que vous avez cités, M. Benflis et M. Hamarouche, moi, ce n'est pas ce qu'ils disent. Vous savez d'où ils viennent, vous savez d'où je viens, on n'est pas sur la même longueur d'onde, c'est bien le moins qu'on puisse dire. Ils ont le droit de s'exprimer, de parler, il n'y a aucun problème là-dessus. Ce que j'attends d'eux, ce que j'ai entendu lundi, je me présenterai quelles soient les conditions. L'autre dit, j'appelle l'armée à revenir, en gros à me ramener au pouvoir. Bon.
c'est pas exactement par ces chemins-là que personnellement je souhaiterais accéder à une responsabilité. Voilà ce que je veux dire, mais ils ont le droit de s'exprimer. Je ne comprends pas comment d'un côté on peut dire une tribu a colonisé les institutions algériennes, et c'est vrai, on peut dire l'élection est biaisée, et c'est vrai, et en même temps dire je vais y aller. Alors je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'interpelle, mais ce n'est pas à moi qu'il faut poser ces questions, c'est à eux. Et l'opinion doit poser ces questions-là, parce que vous êtes citoyens, nous sommes citoyens, on a le droit d'interpeller les gens sur ce positionnement qui peut participer peut-être à un jeu, mais je ne veux pas faire le procès d'intention. En tout cas, ce n'est pas clair pour la conception que j'ai de la politique. Voilà, Yannis, je ne peux pas vous répondre plus que ça. Est-ce que moi je n'ai pas d'ambition nationale? J'ai dit que j'étais en retrait, je n'étais pas en retraite. J'ai voulu envoyer un message à l'opinion algérienne en disant on peut avoir créé un parti politique. On peut l'avoir conduit malgré les difficultés dans le cadre des statuts et des règlements et de ses règlements intérieurs. Et sont retirés parce que toute structure qui traite de la vie publique ne peut pas être un bien propre. Donc j'ai essayé de faire un peu de pédagogie, c'est dit là-dessus. Et non déplaise à notre polémiste, le RCD se porte très bien, y compris depuis mon départ. Il est aujourd'hui l'un des animateurs essentiels de tout ce qui se dit, se propose autour de cette échéance électorale. Croyez-moi. À titre personnel, ce que je ferai demain, ou ce que je ne ferai pas, vous pensez bien que ça me concerne d'abord personnellement. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas d'ambition immédiate dans une compétition que je renonce à mon devoir et de militant. Croyez-moi ou pas, je vous assure que je milite à la base de mon parti de la manière la plus normale, que je paye mes cotisations, qu'à chaque fois qu'on me sollicite pour faire une intervention, je réponds pour l'animer, que je n'ai jamais, au grand jamais, assisté à une réunion de la direction du parti dont je ne fais plus partie, vraiment. Ça, c'est pour mon travail de militant de base. Mais je ne me suis pas retiré de la vie publique en tant que citoyen. Lorsque François Hollande était venu et qu'il a été à Tlemcen pour nous expliquer qu'il faut réhabiliter Mseli, j'ai attendu qu'un historien, qu'un universitaire, qu'un ancien maquisard parle indépendamment de ce qu'on peut penser de Mseli. Wesh Dakhlik, tu vas nous faire une hypothèque sur la mémoire nationale, c'est plus du colonialisme ça. Personne ne l'a fait. Et là c'est en tant que citoyen que j'ai attendu l'arrivée de son premier ministre pour lui rappeler un certain nombre de vérités. Le jour où je viendrai, moi, chez vous, pour vous dire réhabiliter Pétain et enterrer De Gaulle, tu viendras me dire il faut enterrer Ben et réhabiliter Mseli à ce moment-là. Donc, j'essaie. Voilà. Très bien. Merci, Marie, du général Wattal. Donc, vous aviez, au début de l'intervention, vous avez dit que. نعم إذن مشاهدينا أجوبة الدكتور سعيد سعدي على أسئلة الصحفيين متواصلة أشار الآن إلى أن اللعبة السياسية حسب قوله مغلقة وانتقد موقف بن فليس مرشح رئاسيات 2014 وكذلك السيد حمروش انتقد موقفهما من الرئاسيات تابعوا مشاهدينا أسئلة الصحفيين وأجوبة سعيد سعدي ولا نعود il risque malheureusement de parasiter l'opinion et que l'essentiel passe par perte et profit. Il faut absolument, dans la phase actuelle que traverse l'Algérie, et elle est sérieuse. Pour autant, je ne rentre pas dans le chantage à la stabilité. C'est une période délicate. Il faut absolument ne pas accompagner les manipulations médiatiques. Il faut être cohérent. Vous, journalistes, vous avez une responsabilité énorme dans la phase actuelle. Que quelqu'un dise ce qu'il a envie de dire, je suis pour et je me défendrai, je me battrai jusqu'au bout pour qu'il le dise. C'est une chose, mais il faut absolument rappeler quand, comment, pourquoi il le dit, est-ce que c'est cohérent par rapport à une démarche. On ne peut pas laisser des contradictions miner un débat qui est déjà très fragile. Nous devons jeter de la lumière
sur la scène nationale, que chacun soit perçu en fonction de ce qu'il porte et de ce qu'il propose. Je vous ai parlé tout à l'heure, je suis pour que tout le monde s'exprime, Yanni, hein. Mais si on veut vraiment faire avancer les choses, il est important de faire ce qui n'a, d'arriver à constituer, à construire ce qui n'a jamais existé depuis 1962, que les repères, les positions, les parcours et les propositions soient clairement entendus. Je n'ai rigoureusement aucun problème vis-à-vis d'un quelconque. Quand j'ai des étudiants du RCD, je voyais qu'ils voulaient pour que j'entende. Moi, je ne l'ai pas entendu. Tu poses, il l'a fait, il l'a posé. Il m'a dit, tout le monde veut vous présenter, vous allez nous répondre. Pour nous, est-ce que c'est vraiment comme ça que se pose la question? Est-ce que c'est pas de tout patate? D'abord, pour les conditions d'une élection libre, on n'y est pas. Allez, non, parce que moi je suis militant, Mouelfine, on a l'habitude de se battre, etc. On va y aller si vous voulez, on va y aller. Maintenant, je vais vous dire ce qui va se passer. 23, 24 ans. Allez, on va y aller. Monsieur Belaïz est prêt à bourrer les urnes. On va protester parce qu'on a des militants, Menach Khaïfine, etc. Ils vont nous envoyer la police de monsieur Hamel, on va se battre. Qui va nous frapper, mais on va se battre. Et comme on est instruit, militant instruit, on va déposer plainte chez monsieur Taïb Lou, qui évidemment ne va pas nous donner raison. Allez, mais on est déterminé. On ne va pas se laisser faire, on va déposer plainte. Non. Au Conseil constitutionnel, chez monsieur Mdelsi, qui va nous envoyer bouler. Alors voilà, maintenant si vous voulez qu'on y aille, on va y aller. 24 ans. C'est une blague, mais malheureusement des fois, les narrations ironiques répondent plus aux situations tragiques. Le RCD Antou Raïs, je ne suis pas responsable. Vous voulez discuter avec... Non, moi je suis militant, je suis la direction de mon parti. Voilà. Oui, pardon. Merci. Donc moi je vais essayer d'être un peu optimiste par rapport à la classe politique algérienne. J'ai une seule question. Il y a le mot consensus qui revient aujourd'hui, pratiquement, sur la classe politique. Donc ma question, est-ce que, comment vous imaginez ce consensus, M. Sadi, Dr. Sadi, est-ce que c'est avec le pouvoir ou contre le pouvoir, et est-ce que c'est une alternative à un éventuel effondrement de l'ordre autonome? Donc, je vais me redire, hein. Maintenant vous avez raison de reposer la question parce qu'on a tellement martelé des évidences qu'on n'arrive plus à concevoir l'idée d'une existence algérienne en dehors du système. C'est terrible, hein. C'est-à-dire, il y a un conditionnement tel qu'on a beau parler pour dire qu'il faut se passer en dehors et contre, inconsciemment, les gens vous ramènent, ils ne vont pas laisser faire, etc. Ça prouve quand même le niveau d'aliénation dans lequel ils ont mis la société. S'agissant maintenant de ce consensus, je dis et je répète que le fracas, la dévastation de l'Algérie est telle qu'aucun parti, aucun dirigeant ne peut seul se poser comme un recours, sauf à faire un coup d'État, ce qui aggraverait les choses. Aucun parti, aucun dirigeant ne peut seul être un recours aujourd'hui. Nous devons avoir l'humilité, la responsabilité de dire qu'il faut absolument que l'on se mette autour d'une table avec un cahier des charges, préalablement. Une fois que ceci est dit, il faut accepter tout le monde, les gens du pouvoir, qui sont des acteurs politiques, ne doivent pas se placer comme des tuteurs ou des arbitres. Il faut prendre sur soi, il faut faire l'effort de les accepter, mais ils viennent en tant qu'agents politiques et pas en tant que parti dominant ou les privilégiés ou là. Voilà.
si on réussit à engager cette procédure, moi je suis persuadé que l'affaire peut se jouer. Ce ne sera pas facile, mais ça peut jouer. Mais ce dont je voudrais vous convaincre, vous qui êtes beaucoup plus jeune que moi, c'est qu'il n'y a pas d'autre alternative à la situation actuelle. Le tribalisme introduit par le chef de l'État, la colonisation tribale imposée par le chef de l'État aux institutions algériennes, va laisser des traces. C'est en train de réveiller des forces centrifuges de notre sociologie qui se mettent déjà en mouvement. On n'a pas beaucoup de temps devant nous. Soit on fait ça, en théorie, soit le régime lui-même décide, ou le système politique lui-même décide d'initier, d'amorcer une dynamique de sortie de crise. Il est l'auteur de la crise. Et pour tout vous dire, je vais aller loin, dans l'état de faiblesse, de désordre, de discrédit, de division qui est le leur, même s'ils le voulaient, ce dont je doute, ils ne peuvent plus être une alternative au pays. Pour autant, il m'en coûte de le dire à titre personnel, je suis un homme fait de chair et de sang comme tout le monde, pour autant, il ne faut pas rentrer dans les règlements de compte. Tout Algérien qui a une responsabilité quelconque et qui souhaiterait participer à cette recherche de compromis doit être associé, mais sans aucun privilège. Je ne sais pas si je vous ai répondu. Il n'y a pas d'autres questions. Alors, docteur, je vais vous poser une autre question. Apparemment, donc, vous dites que l'élection est présidentielle dès lors que le président Bouteflika est en compétition, elle est jouée. Donc, comment vous voyez, on va faire de la politique fiction, comment vous voyez donc la gestion de l'Algérie, par qui, au lendemain de cette élection? Enfin, je dis elle est jouée, sauf si Dieu en décide autrement. Ne me demandez pas, je suis médecin, mais bon, mon savoir a des limites. Oui. Oui, moi je pense que telles que les choses se présentent, on ne met pas un ministre de l'Intérieur de sa tribu, on ne va pas refaire toute la litanie des trucs pour donner, pour laisser quelqu'un se prendre votre place. Ce n'est pas ça le plus important. Il faut que pendant cette campagne, même si, j'ai bien entendu comme vous tous, même si les gens qui sont opposés à cette candidature et à ce vote sont interdits de parole, je ne demanderai pas le droit de parler, ni de manifester, etc., etc. Nous devons nous mobiliser, pas contre le quatrième mandat, mais contre cette élection telle qu'elle est programmée actuellement. Qu'elle soit destinée à X ou à Y, je voudrais être clair là-dessus. OK. Une fois ceci fait, si on réussit à mobiliser puissamment l'opinion, et que Bouteflika sorte comme par hasard vainqueur le 17 avril, il sera extrêmement difficile de tenir dans un univers de tension sociale, et puis en plus ils ont vidé les caisses. Alors je vous rassure, ils ne pourront pas acheter la paix sociale longtemps, mais après, ouais, la campagne électorale, notre ami Seller, c'est largement arrangé pour nous faciliter la tâche pour après. Donc ils ne pourront pas, il y a des limites objectives, morales, politiques, diplomatiques, sociales, qui feront que ce vote, même s'il proclame 90% de oui, ne sera pas tenable. Il faut se battre, il ne faut pas attendre. Il n'y a pas de solution pochée de surprise pour la crise algérienne. C'est une solution qu'il faudra construire, élaborer avec le plus grand nombre de gens qui, réellement, n'ont pas d'ambition de rente, mais ont l'ambition de la destinée nationale. Il faut bien se mettre dans la tête que même s'il passe, son mandat reste quand même hypothéqué. Et nous pouvons hypothéquer son combat. Maintenant, d'ici là, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Peut-être que demain, il va se réveiller, il va se dire finalement, j'ai déconné, les plaisanteries les plus courtes étant les meilleures, et il vaut mieux que je reste tranquille et qu'on reporte l'élection et qu'on assainisse le fichier électoral et que je change Belaïs et que je change, etc. Et peut-être qu'il va le faire, hein, bah, mais il ne faut pas trop rêver, Denis. Très bien. Oui, Adler. Adler Medidou. Adler Medidou. J'ai deux questions très simples. La première, c'est avec cette situation de blocage, même au niveau du régime, parce que même lui n'arrive même pas à faire un coup d'État apparemment, est-ce que vous ne craignez pas justement des débordements ou des violences dans la rue?
c'est la première question. La deuxième question, on a vu que les syndicats autonomes, on a vu que par exemple les gens du préemploi, même eux commencent à avoir un discours politique. Est-ce qu'il ne faut pas aussi s'adresser plus qu'aux politiques, aussi à ces nouveaux acteurs sociaux qui commencent à avoir une véritable mobilisation sociale? Merci. Très bien. Première question alors, s'agissant des mouvements de foule, est-ce que des manifestations de rue ne vont pas être instrumentalisées pour provoquer un phénomène de violence qui éventuellement n'aurait pas d'autre objectif que de faire avorter une alternative populaire de changement, qui pour moi est la seule. Je ne crois pas aux luttes d'appareil. Ce n'est pas de l'intérieur que ça va se passer, même si je reconnais le droit à des gens d'emprunter cette voie. Seul un mouvement populaire, puissant et pacifique peut nous permettre d'avoir une véritable alternative pour la première fois depuis l'indépendance de ce pays. Les risques de manipulation existent. Malheureusement, la police politique, c'est son rôle. À chaque fois qu'il y a une menace, on provoque. Cette fois-ci, d'ailleurs, j'ai été surpris, je m'attendais à ce qu'il fasse en Kabylie. En général, c'est là-bas que ça... Le danger national, Hassan, l'unité, Klaoulik, attention, avec Kharitajat, etc. Bon, peut-être que la formule a été trop utilisée. Mais ça peut se reproduire ailleurs. À nous d'être vigilants. À nous de rentrer en contact. À nous de ne pas faire preuve de sectarisme. Je réponds, même si j'avais dit de ne pas répondre tout à l'heure, le RCD est en train de se réunir avec les partis islamistes. Ben, khair, inchallah. Moi, ça ne me pose aucun problème à partir du moment où un parti dit, un, je renonce à la violence, deux, si je gagne, je ne décide pas que c'est moi qui suis élu à vie. C'est très simple. Ce n'est pas la première fois. Le président du RCD a fait une interview, je crois, à TSA. Dernièrement, il a rappelé très justement, ce n'est pas la première fois que le RCD manifeste avec des partis islamistes. La fraude de 1997, on l'a dénoncée ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on n'était pas d'accord. Donc, c'est pour répondre. Non seulement il faut élargir dans la classe politique, mais il faut élargir aux organisations sociales qui, effectivement, elles aussi, souffrent de la clientélisation actuelle de l'ensemble des instances sociales et politiques. Subhanallah, vous avez des syndicats qui ont quand même paralysé le secteur de l'éducation nationale pendant un mois. Ils ne font pas partie de la tripartite. Voilà. En un sens, c'est logique, parce que la tripartite, c'est le rendez-vous de la fiesta. Bon, c'est vrai qu'ils ne sont pas concernés, Hadou. Donc, bien sûr que les syndicats doivent être associés. Moi, je pense aux personnalités, même des simples personnalités qui peuvent avoir une autorité morale, même s'ils n'ont pas d'organisation derrière eux, doivent être associés à ce mouvement. Il n'y a pas d'autre alternative pour sauver l'Algérie de la désintégration chaotique. Désintégration chaotique. Qu'une alternative populaire, qu'il soit ni encadré par le DRS, ni suscité par le clan présidentiel, ni manipulé par l'armée, le meilleur service que l'on puisse rendre à l'armée algérienne, c'est de lui épargner les suggestions qui le placeraient derrière Flen ou Lefelten. C'est le meilleur moyen de la réinjecter dans les conflits politiques, donc de l'exposer elle-même à toutes sortes de turpitudes, et on n'en a pas besoin. Je ne sais pas si je vous ai répondu. Très bien. Oui, c'est bon, très bien. Ah ben, merci beaucoup pour vos questions. Et...